Eh bien bonjour tout le monde, c'est LinkPy. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo au rang. Allez! Je pensais qu'il y avait une cinématique, mais c'est qu'on sort d'ici. Allez! C'est pas vrai. Attendez, je mets le son. Voilà, parce que moi j'entends pas très bien. Ah, il est gentil le petit Tommy. Il est sympa. Oh, bonjour. Effectivement, j'ai bien fait de. Oh. Bon, attendez, vous ne regardez pas. Ah, c'est bon, on a cassé les chiottes. Ah. C'est dégueulasse. Ah bah voilà ce que c'est la vidéo de mercredi. Ah bah bravo. Il y a des rats en plus. Alors encore plus bravo. Alors là. Alors là, la vidéo de mercredi. Ça va. Ah. Il n'y aura rien de logique. C'est grave. Connard. Bon, on va aller voir Ellie là parce que. Faut quand même qu'on s'avance. Hein. J'ai quand même envie de vous faire Uncharted 1 en let's play. Même si c'est le 1 et le 2 pour moi c'est des pires alors voilà. Et même le début du 3. De toute façon je l'ai dit dans les mi-infos du 1er janvier, du 4 janvier alors. Bon, je sais où elle est, ne vous inquiétez pas. Hein. Juste un peu. Pour vous. Oh. Ok, c'est bien, on a ça. Alors attendez, c'est grave, on n'a pas de balles. Ok, attendez un peu. On se prépare parce que je vous spoil, il y aura un gunfight. Alors là, je mérite la mort, je vous ai tout spoilé. La mort Koopa. Ah, cocktail Molotov. Ça passe. Alors. Ellie. Elle est tout droit. Bon, bah, y a rien. Donc, je coupe le petit micro. Et. Putain, Joël. Et à tout de suite. Elle se souciait vraiment que de ça. Les garçons, les films. Décider quel haut mettre avec quelle jupe. C'est bizarre. Lève-toi, on y va, allez. Et si je dis non? Est-ce que tu as la moindre idée de ce que tu représentes? Hein? Pour t'enfuir comme ça, mettre ta vie en danger, c'est vraiment pas malin. Ouais, bah je suppose qu'on est tous les deux déçus l'un de l'autre alors. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Avoue que tu voulais te débarrasser de moi depuis le début. Tommy connaît ce coin mieux que lâche-moi. Personne. Ok, désolé, mais j'ai plus confiance en lui qu'en moi-même. Arrête un peu tes conneries. Qu'est-ce qui te fait si peur? Que je finisse comme Sam? Je peux pas être infectée. Je peux me débrouiller toute seule. Combien de fois on a failli y passer? Eh ben, on s'en sort plutôt bien pour l'instant. Et maintenant, tu t'en sortiras encore mieux avec Tommy. Je suis pas elle, tu sais. Quoi? Maria m'a dit pour Sarah. Ellie. Et je... Là, tu t'aventures sur un terrain miné. Je suis désolée pour ta fille, Joël. Mais moi aussi, j'ai perdu des proches. Tu ne sais absolument pas de quoi tu parles. Les seules personnes que j'ai jamais aimées sont toutes mortes ou m'ont abandonnée. Toutes sauf... Sauf toi, merde. Alors me dis pas que je serai plus en sécurité avec un autre, parce que la vérité, c'est que j'aurai encore plus peur. Tu as raison. Tu n'es pas ma fille. Et je ne suis sûrement pas ton père. Alors il est grand temps de se séparer. Préparez-vous, on n'est pas seul. J'en ai deux en approche. Et il y en a encore plus à l'intérieur.
Elle a quand même eu pas mal de force hein, pour pousser Joël comme ça. Hein. Je vais te trouver. Bon, je vais faire ma technique de d'habitude. Attendez. Et ah ok. Ne vous inquiétez pas, tout est prévu. Enfoiré. Voilà. Calme-toi. Reste derrière. Fais dodo. Wow, il s'est envolé. Ok, on attend un peu. Ah, bah il s'est barré ou il est mort. Peut-être... Toi, tu m'emmerdes. C'est cool. Bonjour. C'est bon, ils sont tous morts. Ah. Ça va c'est mieux, bon. Hein. Y a plus personne. On n'a même pas le vrai pompe et ils le mettent là. Vous êtes dégueulasses, bon. Les développeurs. Vous êtes méchants. Vous nous foutez la haine. Tu veux de l'aide? C'est bon. Voilà. Les gosses vont regarder des films ce soir. Il est où leur laboratoire? À l'extérieur, à l'université de l'Est du Colorado. Allez, les bigorns. Ellie, descends de ton cheval. Rends-le à Tommy. Je vais garder celui-là si ça te dérange pas. Allez, m'oblige pas à répéter. Qu'est-ce que tu fais? Ta femme me fait un peu peur. J'ai pas envie d'avoir affaire à elle. Désolé d'avoir volé le cheval. Écoute, reviens en ville, qu'on en discute au moins. Tu me connais, je suis têtu. L'université de l'Est du Colorado. Et où je le trouve, ce labo? Dans le bâtiment des sciences. On dirait un miroir géant, tu peux pas le louper. Prends bien soin de ta femme. Il y a une place pour toi ici, tu sais. T'es prête? Je suis prête. Adios, petit frère. Allez.
ballon à l'équipe adverse? C'est ça, c'est un turnover. Et si on atteint les 10 yards, retour au premier essai? Première tentative, c'est ça. Oh, tu parles d'une prise de tête. Il suffit d'un ou deux matchs pour bien comprendre les règles. Bon, bah, cinématique plutôt longue, hein. Mais ne vous inquiétez pas, on retrouvera Tommy à un moment dans le jeu. Je dis pas quand, mais on le retrouvera. Bon, ça sera en fait dans longtemps. Ça sera dans longtemps et en même temps pas très longtemps si je me dépêche dans le jeu. Si je prends tout mon temps dans le jeu, ça va durer, on va dire, 10 épisodes. Si je me dépêche, 7 ou 8. Reste ici. En fait, oh putain. Puis franchement, c'est pas un nom quoi, du rayon. C'est toi qui as oublié de demander son nom à Tommy. Je l'avais oublié. J'avais oublié le nom du petit cheval. Mais je m'en fous, pour moi c'est Epona. Et c'est tout. Ces bâtiments ressemblent pas à un miroir. Bon, car on a enfin notre Zelda HD. Qu'on attendait sur Wii U mais qui est en fait sur Play. On l'a enfin. Regardez. Il est beau hein, le Epona. Attendez. Ah par contre ça ressemble pas comme sur Twilight Princess HD. C'est dommage. Les graphismes ils sont vraiment pas pareils. J'ai bien compris. Les gens habitaient ici et étudiaient alors que c'était des adultes. Ouais, étudier, faire la fête. Surtout la fête. Et le vendredi matin, ils sont morts, ils sont crevés, ils passent. Voici la meilleure arme du jeu. Mesdames et messieurs, le lance-flamme. Et putain, je peux vous dire que cette arme, elle est vachement cheatée. Ah, lance-flamme. Bon, bah en fait, je crois que c'est ça qu'on va améliorer. Hein. Parce que oui, on peut maintenant. Hop. Attends. Ah bah, quand même. Hein. On dirait un bon emplacement. Oui. Bon, bah déjà on a toutes les armes du jeu dès maintenant. Et on peut rien faire, ouais. Parce qu'on est qu'à 15. Et c'est sur 20. Limite on dirait une moyenne de cours d'un contrôle. Que tout le monde aurait foiré, mais la seule bonne note c'est 15 sur 20. Et je peux vous dire que 15 sur 20, alors que tout le reste c'est de la merde, pour un prof, dites-vous que vous êtes vraiment dans une classe de merde si ça vous arrive. Hein. Soit une classe de merde, soit vous êtes vraiment attardé. Et j'espère que mes abonnés à moi sont pas trop attardés. Peut-être d'autres personnes, je m'en fous, mais pas les miens. Les miens, ils sont intelligents, vu qu'ils se sont abonnés à moi. Et si vous vous désabonnez, mourrez. Mais vraiment. Crevez, hein. Là, je souhaiterais votre mort, s'il faut. Je prierai même Bowser pour votre mort. Mais ça se fait pas de dire ça, donc... bah voilà. Ah oh. Ça a l'air intéressant tout ceci. C'était un poste de surveillance. Ah, j'en ai du sniper. 29 août. Attendez. Ouais, c'est le mois d'août. Rien. Des gens sont pas censés arriver. À quoi ça sert d'être là si rien se passe? 1er septembre. Toujours rien. Marc, arrête tes conneries. On a plein de temps pour lire ici. Être de garde au labo. Quelle merde. 14 septembre. Entrée de 5 nouvelles recrues dans la ZQ de Chicago. Ah, enfin, il y en a un qui m'a filé un paquet de clopes pour mon bon travail. Sympa. Paquet de cigarettes, au cas où. 5 octobre, entrée de Siga du QG. 6 mecs pour livrer un camion, ça doit être encore pire que ce que je croyais là-bas. Entrée d'une livraison au QG. En fait, j'ai piqué 2 pommes dans une des caisses. Je t'en ai laissé une. Bon app. 31 octobre, Halloween.
Entrée de 10 millions de loups-garous. C'est cadeau rien que pour toi, Andrea. Joyeux Halloween. 5 novembre, sortie de l'équipe de Reco pour récupérer des provisions en ville. Entrée de l'équipe de Reco. Roger a gueulé parce que je pionçais. Pauvre con. Et après, il parle plus pendant un mois et demi. Entrée 20 décembre. Entrée de un biologiste de San Francisco. Ce type est un connard. Attention! Entrée de 3 nouvelles recrues en escorte. Au moins, ils m'ont souhaité un joyeux Noël. J'ai pas osé leur dire que j'étais juif. Pourquoi les juifs, ils font pas Noël? Encore les musulmans se comprennent, mais les juifs... Bref, on s'en fout. 22 février, entrée de Dikesh de l'hôpital UT, matos scientifique. Ah. Alors. Ah, on est à 70, donc là, tout est à 50. Améliore la... Ah ouais. Là, c'est chaud. Là, il y a du choix. Bon, au pire, vous savez quoi? Je laisse ça comme ça. Et j'améliorerai au prochain épisode. En fait, prochain épisode, oui et non. Parce que pour vous dire, je tourne toutes les vidéos en avance. Donc, dès que vous me direz entre ces trois-là ce que je dois prendre, bah voilà, je le ferai dans la vidéo que je tournerai plus tard. Parce que là, la vidéo... Là, on est mercredi 19. Donc, dites-vous que là, pour la vidéo de jeudi 20... Bah, en fin de compte, je la tourne juste après cette vidéo-là. Alors, oui, en fait, c'est con. C'est bête. C'est pas très intelligent. Bravo. Yoshi, pourquoi tu me fais dire ça, connard? T'auras pas de croquettes. Et je vous jure que j'ai un Yoshi. Je pourrais vous le montrer dans un futur stream Zelda. Si... Oh. Ah, ça va exploser. Allez, du rayon. Epona. Et merde. Non. Arrête. Oh. Oui. C'était cool. Ah ouais? Eh, lui, il faut peu hein, pour qu'elle trouve des choses bien. Hein. Et voici l'université de Paris. C'est ça? C'est vrai qu'on dirait un miroir géant. Attendez, je crois qu'on doit aller là. Pour peut-être loot un truc, je sais plus. Occupe-toi bien du rayon. Épona. Ah ouais, et merde. Tu crois qu'ils sont très nombreux? Je parle des lucioles. Ouais, on devait venir là en fait. Pour une telle opération. Tu crois qu'il y aura des gens de mon âge? J'en suis non, pas sûr. Pas du tout. Ouais, on va devoir se fight contre quelques zombies. On dirait des coureurs. Reste avec le cheval. Je vais vérifier. C'est sûr? Oui, je veux pas qu'il s'échappe. Ça serait très con en fait. Hein. Regardez, ils sont tous là-haut. Bon, on utilise quoi, ça ou ça? Je déconne, on va comment... Bah, eh ben, je vais vous montrer à quoi elle ressemble, la nouvelle arme. Eh ben, attendez. Bon, on va peut-être commencer par ça aussi, comme ça au moins, voilà. On commence par du soft et on termine par du lourd. Putain, mais elle esquive là, enfoiré! Ah, what? J'ai gaspillé pratiquement toutes mes munitions sur elle! Ça, c'est fait. Elle s'est rien pris! Arrête!
Voilà, on a de l'électricité. Ah, c'est beau. Ils sont encore en train de brûler. J'aime les voir souffrir. Parce que de base, ils sont pas très gentils avec nous, donc hein. Hop, on récupère. Sérieusement. Yo. Bah, c'est cool, je crois. Enfin, à part que tu t'emmerdes pendant plusieurs mois à être seul, sans amis, sans famille. Tu voulais faire quoi? Quand j'étais gosse, je rêvais de devenir chanteur. Tu déconnes. Je suis sérieux. Je chante un truc. Ah non. Allez, je rirai pas. Même pas en rêve. Joël, s'il te plaît. Il a dit non. Aïe, maman. Ça fait mal. Voilà. Il y a des singes. C'est des singes. C'est ouais, Donkey Kong 64. Un jeu que je pourrais pas terminer parce que j'ai pas assez de place sur mon téléphone pour continuer l'émulateur. Je peux même pas télécharger un émulateur alors. Alors, il y a... Non, il n'y a pas Funky. Il a des lunettes, lui. Et Didi, il a une casquette Nintendo. Oui, toujours Nintendo. Ah, hey, regarde. Les lucioles. Ah, des vraies lucioles. Hey, regarde. Attendez, c'est vrai, on a peut-être un truc là-bas. Je sais ce qu'il y a, ne vous inquiétez pas, mais j'ai un doute. Ouais, j'ai vu. Cool, enfin une trace des lucioles. Qui était là? Ils se sont barrés. Hein. Et je vais pas vous faire de faux espoirs à vous aussi. Hein. C'est pas du tout la fin du jeu en plus. Car en plus, si vous avez vu comme quoi on est en automne, franchement, ça sera un peu con qu'on nous mette pas hiver et printemps. Dans la logique de la vie, allez, voilà. On va essayer la porte. Oh non, c'est... Oh. Je sais pas si je fais ça au prochain épisode. Je reste avec du rayon. T'es obligé de toute façon. Je déteste ce nom. C'est ici. Ouh. Y a rien à faire. Malheureusement. Oh. Ah, ouais. Et qu'as-tu? Attendez, je rêve ou elle vous? Oh putain, elle est petite. Bonjour. Elle est vachement petite, hein. Ou c'est moi qui est trop grand. Bonjour. Wow. Oh. Ah ok, c'est après. Bon bah... Du rayon, casse-toi. Toi aussi. De toute façon, elle est immunisée, donc ça sert à rien qu'elle soit prudente maintenant. Voilà, on va améliorer plus tard, ça c'est bien. Je suis bloqué par quoi là? Carte du campus. Une carte du campus. Waouh. Ah. Mais je suis bloqué par quoi là? Non mais vraiment, j'étais bloqué par quoi? Yo.
Alors. Ah, d'un étudiant. Dis, oh, on va pas dire les jours, ça va être chiant sinon. 9 mois d'attente et toujours rien, aucune nouvelle de qui que ce soit. J'ai trouvé quelques boîtes de conserve au réfectoire, on ira pas loin avec ça. Il y a eu un incident à la barricade est, mais tout est sous contrôle. J'ai aperçu un de ces trucs qui passait par là, l'un d'eux ressemblait à Hater. C'est peut-être elle, putain. Les piles commencent à faiblir, ils n'écoutent plus la radio qu'une fois par nuit. Moi j'ai laissé tomber après la dernière transmission. Ça fait 3 mois, bordel! À quoi ils s'attendent? Chérie, il a fumé un joint. Ah bah bravo, hein, ça donne bien l'exemple aux enfants. Ah bah bravo, PlayStation! Hier, soi-disant qu'elle en avait besoin, elle s'est énervée quand j'ai balancé sa cam, elle ne comprend pas, il faut qu'on garde les idées claires. Quelqu'un va devoir aller en ville chercher des provisions. Ça sera sûrement moi! Je me demande combien de temps ils ont tenu. Oh que ouais. Hein. Ça a l'air vachement intéressant. Bien sûr, je pense qu'on va connaître la suite de l'histoire de l'étudiant au prochain épisode. Ou alors maintenant, ça dépend si on trouve l'autre bouquin maintenant. Ça dépend. Si on le trouve maintenant, ça passe. Sinon, ça sera après. Sinon, ça sera demain. Ah bah voilà. Ah bah. Merde, des sports. C'est Bill qui a créé ce truc là et les étudiants l'ont. Je sais pas, pour le réalisme, ça fait bizarre quand même. Non? Bon, attendez, j'ai un doute. Attendez, est-ce que c'est là? Ouais, c'est ici. Donc, attendez, on va faire ça. Et puis, on va s'arrêter là parce que sinon, ça va prendre 5 minutes. Et donc, bah voilà, j'ai pas envie qu'elle soit. J'ai quand même pas envie qu'elle fasse plus de 30 minutes. En tout cas, cette vidéo-là mérite pas de faire 30 minutes quand même. Mais bref, voilà, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à liker, commenter, partager et surtout à vous abonner sur ce C'était les Mucs ou pas.